On raconte qu'un homme rêva qu'il marchait sur une plage avec Dieu. Regardant derrière lui, il vit l'empreinte de ses pas sur le sable ainsi que celle de Dieu. Cependant, il remarqua qu'à plusieurs endroits, il n'y avait que la trace de ses pas, et cela correspondait aux périodes les plus dures de sa vie. Intrigué, il interrogea le Seigneur. « Pourquoi m'as-tu abandonné aux heures où j'avais le plus besoin de toi ?»« Mon fils, répondit le Seigneur, souviens-toi, c'est dans ces moments difficiles que je te portais dans mes bras. » Notre vie spirituelle est souvent comparée à une marche avec Dieu. Nous sommes en pèlerinage sur la terre, dit saint Paul. Nos routes sont souvent sinueuses avec des montées, des descentes vertigineuses, des tournants ou des plaines battues par les vents, des routes pleines de trafic, des carrefours, bref, avec des paysages changeants et variés. Dans notre cheminement spirituel, nous pouvons rencontrer des personnes qui nous accompagnent. Ça y est, le mot est lâché. Accompagnement spirituel. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour répondre à cette question, nous avons demandé aux membres des deux centres de formation à l'accompagnement spirituel, le Centre de spiritualité Montréz à Québec, créé il y a plus de 30 ans, et le Centre Le Pèlerin, existant depuis 2001 à Montréal. Je dirais que l'accompagnement spirituel, c'est tout simplement de marcher avec une personne, de marcher avec elle à ses côtés, ni en avant ni en arrière, pour l'aider dans son chemin de rencontre de Dieu, pour son chemin vers Dieu. On pourrait dire aussi que c'est l'aider à devenir de plus en plus libre, l'aider à voir les signes de la présence de Dieu dans sa vie. Une des plus belles images qui puisse me parler de l'accompagnement spirituel, c'est par exemple les deux beaux textes de saint Luc, le premier sur les disciples d'Emmaüs. Donc Jésus qui rejoint des gens sur la route d'Emmaüs, qui les laisse s'exprimer, qui aussi leur pose des questions, puis en marchant avec eux, les aide à voir plus loin, à voir plus globalement la situation ou la réalité qu'ils sont en train de vivre. On a un peu la même chose dans les Actes des apôtres, quand Philippe... Le diacre Philippe rejoint un Éthiopien sur son char. Et lui qui se dit, ben qu'est-ce que je peux faire devant le message de... Il lit un texte d'Isaïe, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, Philippe explique le texte et puis aide l'Éthiopien à découvrir sa foi en Jésus-Christ. C'est d'être avec la personne, de l'accompagner, d'être à son pas, pour lui permettre tout simplement de contacter la vie divine en elle, de la recontacter si ça lui convient, mais de faire son propre chemin. Pour moi, c'est ça l'accompagnement. Il y a une autre image également qui me vient de notre monde, c'est l'image du jardinier. Le jardinier qui est présent à la pousse des plantes, qui ne tire pas dessus, mais qui est et qui regarde, qui est heureux de voir le blé mûrir. Chaque personne est à la recherche, je dirais, de son identité, de mieux se connaître, de découvrir sa place au cœur du monde, de trouver justement le sens à sa vie, de découvrir quelle est sa place. Et il y a tout le domaine aussi, souvent, on a des difficultés au plan de nos relations, on veut des relations plus signifiantes, des lieux de croissance où on peut vraiment grandir. Et dans le fond, l'accompagnement spirituel, c'est d'accompagner les gens, simplement dans cette quête-là, dans cette découverte de soi, dans cette recherche d'absolu qu'ils portent, que des fois on nomme Dieu, dans ce désir d'entrer dans des relations de plus en plus vivantes, signifiantes avec les gens. Et aussi, c'est en même temps
parce qu'on le sait, on est tous des êtres blessés. Souvent, au cœur de, en tout cas, de notre vie, on a des moments de difficultés, que ce soit des maladies, des deuils ou des pauvretés qu'on a vécues dans notre propre histoire. Alors, c'est d'accompagner les gens aussi pour quitter des zones où, dans le fond, ils sont blessés pour découvrir un lieu de vie en eux, découvrir des lieux de croissance, des façons de rentrer en relation de manière différente, d'approfondir, évidemment, leur relation à eux, leur relation aux autres, puis évidemment, la relation à Dieu, et de découvrir véritablement une vie qui est d'en faire des vivants, d'en faire des hommes et des femmes debout. L'accompagnement spirituel a longtemps été réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. À présent, de nombreux laïcs, engagés ou non pastoralement, se sentent appelés à être accompagnés. Cela leur permet de prendre des décisions, de voir l'action de Dieu en eux. Bref, il y en a de plus en plus. Mais donc, qui donc peut bénéficier de l'accompagnement spirituel? Toute personne a une quête de sens. Toute personne est en quête de son identité. Toute personne veut grandir, cheminer, veut découvrir qui il est, veut avoir des relations qui sont plus justes. Et ça, dans le fond, toute personne a cette dimension spirituelle en elle. Toute personne a cette qualité ou cette profondeur d'être où elle peut découvrir qui elle est et sa place dans le monde et le sens de sa vie. Alors, c'est pour toute personne, dans le fond, parce que la dimension spirituelle est constitutive de l'être humain. Alors, toute personne peut aller à la rencontre de cette richesse qui l'habite et à tous les âges de la vie aussi, soit homme ou femme, qu'importe la profession. En fait, ici, au pèlerin, l'accompagnement, nous, de la manière qu'on procède, c'est qu'il y a toujours une entrevue d'accueil pour les gens qui désirent l'accompagnement. Ça leur permet, dans le fond, d'expliquer qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les amène à désirer de l'accompagnement. Et c'est comme une espèce d'entrevue d'accueil où la personne exprime ce qu'elle désire. Nous, on exprime ce qu'est l'accompagnement, ce qu'on offre. Et ça permet à la personne de choisir véritablement est-ce que ça répond, dans le fond, à ce que je recherche. La personne va demander un accompagnement lorsqu'elle est, comme on dit, lorsqu'elle frappe un mur. Lorsqu'elle a une situation, un événement dans sa vie qui est très douloureux, un événement qui est incompréhensible, et puis la personne dit « j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'aide ». Et à ce moment-là, la personne va demander un accompagnement qui va lui être tout à fait susceptible de lui apporter la lumière, de la faire retoucher à sa source intérieure. Est-ce qu'il faut avoir un certain âge pour entreprendre la formation et devenir accompagnateur, accompagnatrice spirituelle? L'expérience nous enseigne qu'en fait, des tout jeunes, on n'en a pas beaucoup. C'est comme si c'était un souci ou un désir qui se manifestait plus vers le mi-temps de la vie ou juste avant, je dirais. 35, 40 ans et au-delà. C'est comme si ça requérait une certaine expérience ou une certaine maturité pour avoir ce désir-là. Parfois, on pourrait penser que l'accompagnement spirituel, c'est quelque chose qui est réservé, par exemple, aux religieux, aux religieuses ou aux prêtres. Je pense que l'accompagnement spirituel, c'est un trésor de l'Église qui a à être partagé avec tous les croyants, tous les baptisés. Et je pense que l'accompagnement spirituel prend davantage son sens pour des personnes qui sont en quête de sens. Des personnes qui sont justement sur une route, sur un chemin, qui progressent. Des personnes qui sont à un carrefour, qui doivent avoir à choisir, à faire des choix, à prendre des décisions. Quelqu'un aussi qui veut comprendre sa vie à la lumière de l'Évangile, par exemple. J'en parlerai à mon directeur spirituel, à mon conseiller spirituel. Qui n'a pas entendu cette phrase? Cependant, à présent, on parle plus d'accompagnateur, accompagnatrice spirituelle. Pourquoi ce changement de vocabulaire? Et puis, quelle différence avec l'accompagnement psychologique, l'accompagnement psychospirituel? Les avis sont partagés. On ne parle plus de direction spirituelle. Disons, le terme direction spirituelle avait quelque chose de positif, dans le sens que ça indiquait aussi qu'une direction, c'est-à-dire que ma vie a un sens, elle a une finalité, il y a un don que je porte. Mais la limite
disons, de ce qu'a été la direction spirituelle, c'est particulièrement que, dans le fond, c'est que le directeur spirituel, souvent, dirigeait la vie de la compagnie au lieu de lui aider à trouver lui-même son chemin et de l'aider lui-même à découvrir ce que, disons, ce que Dieu, ce que l'Esprit, ce que son don à lui particulier, que ce soit la personne elle-même qui le découvre. Traditionnellement, on a beaucoup parlé de direction spirituelle. Aujourd'hui, on préfère le mot accompagnement parce qu'il y a moins cette connotation de directivité, d'autorité. L'anglais, par contre, a gardé le mot direction et n'a pas cette connotation négative. Mais en français, on préfère aujourd'hui le mot accompagnement. Oui, il y a une différence entre l'accompagnement spirituel et l'accompagnement psychologique, parce que quand vous arrivez en accompagnement psychologique, vous allez en général spontanément dire ce qui ne va pas, ou ce qui fait mal, ou ce qui est problématique dans votre vie. Tandis qu'en accompagnement, ici, l'option au contraire, c'est de partir sur ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui a été réussi dans votre vie. Donc là, il y a déjà une première différence. Ensuite, l'accompagnement psychologique est beaucoup centré sur la résolution de problèmes au niveau humain, tandis que l'horizon de l'accompagnement spirituel est beaucoup plus large. C'est le bien-être de la personne, mais ça va plus loin, ça va au-delà, c'est toutes les dimensions de sa personne. Finalement, l'horizon, c'est celui de la volonté de Dieu, celui de développer son être de fille ou de fils de Dieu. En accompagnement, on dit toujours qu'il y a trois personnes, c'est-à-dire l'accompagnateur, il y a l'accompagné. Évidemment, il y a Dieu qui accompagne. Alors, c'est sûr que c'est une différence qui est fondamentale, c'est qu'on a la conviction profonde que Dieu est au cœur. C'est lui le premier accompagnateur, c'est lui qui connaît le cœur de la personne et qui accompagne dans le quotidien de la vie la personne pour justement l'amener à la plénitude de la vie qui est la sienne. En même temps, le but de l'accompagnement spirituel, ce n'est pas de faire de la psychothérapie. Mais sauf que l'approche qu'on a développée, c'est qu'on regarde la personne dans sa dimension spirituelle, mais on tient compte de la dimension humaine. Parce que la dimension spirituelle ne peut pas se vivre autrement qu'en incarnation, c'est-à-dire dans notre humanité. Donc, évidemment, dans notre chemin spirituel de croissance, il y a des blessures de vie qui, dans le fond, bloquent, je dirais, la réalisation de notre être, bloquent justement qu'on arrive véritablement à vivre pleinement notre vie en relation avec les autres et avec Dieu aussi, parce que ça a un impact aussi, les blessures que l'on porte sur notre relation à Dieu. Alors, c'est sûr qu'on regarde les blessures, mais toujours dans ce regard de la relation à Dieu, d'une relation plus pleine à soi aussi, pour que la personne arrive vraiment à vivre dans son identité filiale profonde. Pour moi, un accompagnement est toujours psycho-spirituel. Parce que on peut dire un accompagnement spirituel, on peut dire un accompagnement psychologique, mais dans la vie, il est impossible pour moi de faire une démarche, de toucher à un besoin psychologique sans en même temps ressentir le besoin d'aller voir, d'être inspiré, je dirais, ou de toucher une démarche spirituelle qui est beaucoup plus, qui est plus intérieure, mais qui touche le cœur de la personne, qui touche le cœur profond. Alors que l'aspect psychologique va peut-être toucher davantage sa compréhension, va toucher son comportement, va toucher une attitude, mais en même temps que la personne touche son comportement, elle est à même, elle est appelée ou elle va avoir le goût de toucher le sens de ce comportement. Certaines personnes, ayant fait l'expérience d'être accompagnées, désirent à leur tour devenir accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles. Pour cela, ils doivent se former. Le Centre de spiritualité Morez, fondé par les Jésuites, offre une formation à temps plein sur un an et également sur plusieurs années par étapes. Le Centre Le Pèlerin, situé en bas de l'oratoire Saint-Joseph, a été créé à la demande du cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, par les pères de Sainte-Croix et une équipe de religieuses et de laïcs. Il assure une formation qui provient de différentes écoles spirituelles, franciscaines, carmélitaines, entre autres. Ces deux centres offrent chacun des formations spécifiques et proposent des formules variées, s'adaptant aux besoins actuels des personnes, des groupes et se déplaçant en région.
Le Centre de spiritualité Morez a comme mission spécifique, je dirais, de former à l'accompagnement spirituel. Et on le fait dans un parcours qui peut se vivre en deux étapes. La première étape, c'est l'entrée dans la connaissance de ce qu'on appelle la pédagogie ignatienne. Qu'est-ce qui est le spécifique de la spiritualité ignatienne? L'ouverture au discernement, l'ouverture à la prière ignatienne, le rapport de la personne et du monde. Quelqu'un peut s'inscrire à la formation au premier cycle, au deuxième cycle, pour un an à temps complet, ou peut le faire à temps partiel, soit ici même à Québec, au centre, ou encore, nous avons actuellement deux antennes, deux lieux où nous pouvons donner cette formation, un qui est dans le diocèse de Chicoutimi, à Saguenay, et l'autre qui est à Saint-Hyacinthe. Nous avons également des groupes qui vivent les exercices, mais sous la forme de ce qu'on appelle les exercices dans la vie courante. C'est-à-dire que c'est l'option qu'a prise le centre, c'est cette option qu'a prise le centre de donner les exercices dans la vie courante, c'est-à-dire non pas toujours en retraite fermée, mais en alternance, si vous voulez, avec les événements de la vie. Donc, sur un parcours de 2 ans, 3 ans, 4 ans, des gens se rencontrent, partagent leur expérience, retournent chez eux, portent ça dans la prière, dans l'examen de leur vie, et ensuite travaillent certains points avec des textes bibliques. Une autre spécificité, ce serait tout l'accent porté sur l'expérience. Les personnes sont amenées à relire leur vie, leur expérience bien concrètement. Parce qu'Ignace était lui-même un homme qui avait les pieds bien sur terre, c'est pas un spéculatif. Donc toute sa pédagogie repose sur la relecture d'expérience, qui donne une pédagogie très incarnée. Puis peut-être une caractéristique que je nommerais, c'est toute l'attention au mouvement intérieur. Tous les mouvements, les sentiments, les affections, tout ce qui bouge en dedans, la personne apprend à le nommer et petit à petit à voir quels sont ceux de ces mouvements qui l'amènent plus loin dans son chemin vers Dieu et ceux au contraire qui l'éloignent de sa route vers Dieu. Et petit à petit, c'est comme si elle développait une boussole intérieure pour devenir plus libre de choisir le meilleur. Et l'accent est beaucoup mis dans ce processus d'apprentissage pratique sur l'identification au Christ, qu'on appelle ici le Christ accompagnateur. C'est-à-dire que le Christ n'a pas fait des accompagnements formels comme on propose ici, mais chaque fois qu'il a été en contact avec une personne, comme la Samaritaine ou Zachée, ou des groupes de personnes, on considère qu'il est notre exemple sur comment aborder des personnes, comment les aider à aller plus loin. Et les personnes qui se forment, qu'on appelle les stagiaires, vont être amenées à contempler le Christ de plus en plus pour devenir comme lui dans leur façon d'accompagner. Chacun selon sa sensibilité, parce que comme le Christ a une personnalité très riche, chacun va être attiré par l'un ou l'autre aspect. Ça peut être sa liberté intérieure ou sa bonté, sa douceur, selon les personnalités. Nous, on offre un programme de formation en accompagnement spirituel. Ça conduit, c'est l'Institut pastoral des Dominicains qui donne la formation. C'est un certificat en accompagnement spirituel. C'est une formation qui s'échelonne sur 4 ans. Le but de la formation, c'est vraiment, un des objectifs premiers, c'est vraiment favoriser, le cheminement spirituel de la personne. L'équipe de départ avait été formée dans l'école franciscaine. Il y avait des gens qui venaient aussi de la tradition carmélitaine et qui avaient donc un angle d'approche particulier. Il y avait des gens aussi qui étaient formés en counseling pastoral, qui n'est pas directement de l'accompagnement spirituel, mais qui touche à la fois à la dimension spirituelle aussi. Alors, c'était, des gens de différentes écoles qui étaient ici au départ. Le bon accompagnateur ou la bonne accompagnatrice, en bout de ligne, va être la personne qui est elle-même en cheminement, qui est elle-même en démarche de croissance, qui elle-même s'est mieux saisi dans son identité humaine et spirituelle. L'approche qu'on a développée ne relève pas d'une spiritualité en particulier. D'ailleurs, c'était la demande du diocèse de ne pas avoir une approche d'accompagnement qui relève que d'une spiritualité.
mais qui puise plutôt, je dirais, aux spiritualités chrétiennes, mais qui explique en même temps c'est quoi les étapes du cheminement spirituel, c'est quoi la vie spirituelle, c'est quoi l'expérience spirituelle, de mieux, de saisir cette expérience spirituelle-là aussi dans le monde, dans les diverses spiritualités qui existent actuellement. Nous avons développé depuis 2001 davantage l'accompagnement individuel. Maintenant, nous développons l'accompagnement des groupes et des communautés, et je pense qu'une autre étape serait de développer l'accompagnement des couples. Pour moi, je trouve ça très important. Comprendre, savoir, apprendre cette dimension importante pour les couples sur leur chemin de foi, sur leur chemin de vie, ça s'apprend et ça se pratique. Et je pense que cet accompagnement peut se faire d'abord en individuel par rapport au couple, mais également au couple lui-même qui est en chemin. Marche, boussole, trésor, retrouver la source de vie, alliance avec Dieu, autant de mots qui définissent l'accompagnement spirituel. Il peut être différent aux diverses étapes de la vie. Il permet de prendre conscience de l'action de Dieu en nous, surtout de goûter la vie du Christ ressuscité dans notre vie et dans celle des autres. Toute personne peut en bénéficier pour vivre à fond sa mission. Si vous voulez en savoir plus sur les deux centres que nous avons présentés, voici leurs coordonnées. Centre Spiritualité Montréze à Québec, centremontréze.org et le Centre Le Pèlerin à Montréal, lepèlerin.org. Vous avez des questions, des commentaires? Voici comment nous joindre. Signe des temps, la demande d'accompagnement spirituel est en croissance. Réjouissons-nous, le Seigneur nous attend sur nos routes, où que nous soyons. Je suis Sœur Marie-Noëlle Chaumette. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.